toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis passée à Primark et j'ai fait quelques petits achats. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Derrière, j'ai toujours pas rangé les produits en solde que j'ai acheté chez Sephora. Mais bon. Alors pour commencer, j'ai trouvé ce super pyjama. Donc vous avez le short qui est comme ceci. Et vous avez le t-shirt comme ça. Et du coup, je l'ai eu. Il était soldé celui-là. Donc au lieu de 10 euros, je l'ai eu à 5 euros. Donc ça vaut le coup. Ensuite, j'ai trouvé pour ma fille ce t-shirt. Il est trop joli, j'adore. Il n'était pas soldé celui-là, il était à 8 euros. Hop. Ensuite, j'ai trouvé pour mon fils ceci. Donc, c'est un t-shirt Lego Batman. Et j'adore. Derrière, vous avez la cape. Hop. Et la cape se détache. Donc, vous pouvez l'enlever si vous ne voulez pas mettre la cape derrière. Mais j'ai trouvé ça super sympa. J'ai craqué dessus. Et il était à 8 euros. Donc, il n'était pas soldé non plus. Super, ça va pas faire le zoom. Ensuite, je me suis trouvé une blouse. Alors, ça fait un moment que j'en cherchais une comme ça et j'arrivais pas à les trouver. Donc, elle se met au niveau des épaules. Elle est blanche à rayures bleues. Et vous avez le petit détail du nœud sur les manches. Donc, celle-ci, elle n'était pas soldée et je l'ai eue pour 13 euros. Ensuite, on continue. Je me suis pris un t-shirt pyjama comme ceci, de la petite sirène. Voilà, derrière il a rayures. Et celui-là, il était soldé au lieu de 6 euros. Je l'ai eu à 3 euros. Ensuite, je vais rapprocher. Hop, j'ai trouvé un petit t-shirt comme ceci, pas de patrouille, pour ma fille. Super sympa. Il était à 7 euros et je l'ai eu pour 3 euros. Donc ça valait le coup, les petits t-shirts comme ceci, pas de patrouille. Ça vaut le coup. Ensuite, je vais prendre un autre t-shirt. Donc il est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et celui-là, il était à 1 euro. Voilà, c'est normalement il devait être à 2 euros. Puis en fait, en caisse, il est passé à 1 euro, donc ça vaut le coup. Ensuite, je me suis pris une autre petite blouse comme ceci. Cette fois-ci, vous avez ceci qui se met sur les épaules. Et du coup, c'est comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, il est de la même couleur. Hein. C'est le même style. Sauf que, voilà, vous mettez ça comme ça. Et puis, vous avez cela qui reste en haut. Donc, j'ai trouvé super sympa. C'est pareil, il n'était pas soldé, celui-là. Il était à 13 euros aussi. De la marque Atmosphère, pardon. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. Ensuite, je me suis pris ceci. Donc c'est le tapis nettoyant pour pinceau à maquillage. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est une petite bouche. Et il était à 2,50 €. Donc, voilà. Ensuite, je me suis trouvé un crayon pour les lèvres, je pense. Au lieu de 3 euros, donc il est comme ceci, la couleur elle est comme ça. Et au lieu de 3 euros, c'était à 1 euro. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vu qu'il est sur le... bien collé sur le crayon. Ensuite, je me suis pris ceci, donc c'est deux éponges à maquillage. Vous en avez une orange et une rose, c'était 1,80 €. Donc voilà, ça on en a toujours besoin. Ensuite, j'ai pris ce petit collier avec des petits cœurs pour ma fille. Donc, au lieu de 2 euros, je l'ai eu à 1 euro. Donc, ça valait le coup, elle va être contente. Ensuite, je me suis trouvé ceci. Donc, un petit sautoir avec... je ne sais pas si on va bien voir. Donc, il est comme ceci. Et au lieu de 4 euros, je l'ai eu à 2 euros. Donc ça valait le coup, ils avaient pas mal de bijoux en promotion. Ensuite, j'ai pris cela. Donc au lieu de 3 euros, c'était à 1,50 €.
Il se présente comme ceci. Vous en avez trois. Un rouge, un bleu et un noir. Donc c'est pareil, j'ai trouvé sympa, ça change un petit peu. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors je sais pas trop si c'est des bracelets, si c'est des colliers. Donc vous en avez quatre. Donc c'est marqué Love dessus. Et au lieu de 4 euros, je l'ai eu pour 2 euros. Donc c'est pareil, ça valait le coup. Moitié prix. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc un super beau collier. Il est magnifique. Et au lieu de 10 euros, il était à 3 euros. Franchement, là, c'était la super affaire. Donc je suis bien contente. Je suis bien contente, il est super beau. J'aurais dû en prendre plus, j'ai pas pensé. Ensuite, je leur ai pris à mes petits loulous des chewing-gums. Donc, ils sont comme ceci. Je crois que c'était 1,50€ les chewing-gums. Donc, il y a 6 paquets à l'intérieur. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Ensuite, j'ai pris des mentos comme ceci aux fruits. Donc, ils ont déjà ouvert un paquet. Hop, donc il y a 4 paquets à l'intérieur. C'était 1,50€. J'ai trouvé cette petite palette highlighter. Oui, c'est ça. Hop, elle se présente comme ceci. Et c'était à 2 euros au lieu de 4 euros. Donc pareil, en promo, ça vaut le coup. Elles étaient super sympas. Donc hop, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris ceci. Crayon trio contour. Hop, donc vous en avez 3. Vous avez 3 couleurs. Et au lieu de 3,50€, c'était en promo à 1 euro. C'est pareil, ça valait le coup. Ensuite, je me suis pris une brume corporelle Coconut Crème. C'est un format de 100 ml, donc elle est comme ceci, de la marque PS. Et elle était 1,50€. Ensuite, je me suis pris des lingettes démaquillantes de la marque PS. Donc c'est les roses, c'est ceux-là. Donc j'ai pris 4 paquets. Vous avez 2 paquets en fait, ça. Dans le lot, et c'était 1,50€. Voilà, donc du coup, j'ai de quoi faire. Ensuite, c'est pareil, je me suis pris des paquets de lingettes comme ceci là, en coton. J'en ai pris 4. Et ceux-là, je les adore. Et c'était 75 centimes. Donc, elles sont super. Donc, j'ai fait le stock aussi. Ensuite, je me suis pris une crème pour les mains. Crème pour les mains. Donc, c'est un format de 30 ml. Elle est comme ceci. Et au lieu de 1,50€, c'était 50 centimes. Donc, ça valait le coup aussi. Voilà. Ensuite, je me suis pris des petites éponges en silicone. Ça fait un moment que je veux tester et que je ne trouvais pas. Donc, elles étaient à 2 euros. Je vais pouvoir tester. Il y en a 2 à l'intérieur. Ensuite, je me suis repris mon shampoing Baptiste. Donc, celui-ci. Donc, c'est le blush. Donc, je ne sais plus combien c'était celui-là. J'ai plus le prix en tête. 1,75€, 1 euro. Je ne sais plus. Et pour terminer, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc, il est violet. Vous n'allez pas bien voir parce que. Vous avez le prix dessus, donc il est comme ceci. Et je l'ai payé 1 euro au lieu de 2 euros. Donc on verra ce que ça donne. C'est la première fois que je prends des rouges à lèvres à Primark. Donc voilà pour cette vidéo haul solde et non solde Primark. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.